des flashs, des stars internationales, un tapis rouge et des fans par dizaines. Audrey, épousez-moi ! Je trouve ça fantastique, c'est une magnifique célébration du meilleur de la télé. Ça va être super, terrifiant et super en même temps, je pense. Invité d'honneur, Freddie Highmore de The Good Doctor. Il est parti trop tôt, personne ne peut me le rappeler. Et l'actrice oscarisée Anna Paquin. On n'est pas des habitués des séries télé, donc c'est tout nouveau pour nous, mais on est très fiers, très excités, très honorés d'être ici. De bonne grâce, les personnalités se prêtent aux autographes et aux selfies. C'est vraiment plaisant de les voir à moins de 5 mètres, Audrey Fleurot et Camille Lou. On a dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir vers nous? Ils sont venus naturellement. C'est chaud, il y a beaucoup de monde, c'est très rigolo. Je suis tellement heureuse d'être dans le Nord. En plus, c'est notre première apparition en costume, donc de le faire ici, pour moi, c'est génial. Tous partagent une passion commune, les séries télévisées. Je regarde en boucle parce que je passe beaucoup de temps dans le train. On peut pas s'en passer, on est tous addicts aux séries maintenant. J'aime bien refaire Dynasty. Alors, vous voyez, c'est un peu jambou. J'ai aimé Narcos, j'ai aimé Casa del Papel, j'ai aimé Black Mirror, j'ai aimé... En fait, je regarde tout et je suis épatée, je suis subjuguée par l'inventivité et le monde des possibles avec les séries, c'est extraordinaire. Je déclare officiellement ouvert le Festival Sériemania. Pour cette deuxième édition de Sériemania à Lille, un jury très féminin. Et la réalisatrice de Buffy contre les vampires, l'américaine Martine Oxon, comme présidente. Un genre de président très différent de celui que nous avons dans notre pays. Du rire, mais aussi de l'émotion hier soir, avec pour bien commencer une avant-première mondiale, The Red Line. C'est une très belle première soirée et la série très émouvante. Très belle soirée. Très prenant et... Il y a eu une petite larme à un moment, donc j'ai hâte de voir la suite. C'est donc parti pour 9 jours de festival, un Sériemania au plus près des étoiles.